franchement, t'en as pas marre qu'on se traîne là. On est pas bien là, on est tranquille, il fait beau, qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais pas, mais t'as pas envie de quitter Orléans, de voir ailleurs? Ouais, en fait, tu sais, moi j'ai vécu un peu partout, à Paris, à Milan, à Singapour, à New York, à San Francisco, à Bruxelles. T'attends, et... t'as vécu à Bruxelles? Oui, bah, je peux te dire que partout c'est pareil, toutes les villes se ressemblent. Ah ouais, mais non, parce qu'à Bruxelles, il y a des bonnes frites. Oui, et de la bonne bière aussi. Mais je comprends pas un truc là. T'es resté longtemps en Belgique? Je sais pas. Ah non, un an et demi, mais tu sais, j'avais 20 ans, cherchais du boulot, je suivais une gonzesse, ou alors que c'est elle qui me suivait, qui cherchait qu'est-ce qu'il y a. J'y crois pas. Il y a les clés de la caisse. Ils sont là, sur le contact. Et alors qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Bah viens. C'est le moment ou jamais. On se fait une petite virée. Ah non, non, non. Viens. Ah non, putain, non, on va pas piquer une bagnole. Mais non, non. C'est pas du vol. Les clés sont dessus, regarde. Ah non, non, mais... Mais... Ah mais non. Et c'est ouvert. Mais, oh, je sais... Non, je sais pas trop, là. Pour... Non, mais t'inquiète pour pas. Aller où? Mais t'inquiète pas. Ah non, 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 mais allez, attends. Allez, rentre donc, tu vois. Bon, mais, t'es sûr que t'as ton permis, au moins? Mais bien sûr que je sais conduire. Bon, et tu nous emmènes où, là? On va se faire une petite virée en Sologne, tu vas voir. Ouais, bah, connais pas. Bah, raison de plus, il y a des bars sympas en plus. Alors. Oui, bon, bah, vas-y, démarre des boîtes vite fait avant qu'on soit se gaulé, là. Hein. On est pas bien dans cette bagnole là. Ouais ouais. À part que j'ai un peu froid, mais sinon ça roule. Ah tu sais que moi j'ai toujours aimé les bagnoles. Et depuis que je suis gamin hein. Ouais. En même temps ça m'étonne pas. Bon et tu nous emmènes où déjà là? Tu vas voir, on va boire un coup. Bon coup pour fêter ça. Ouais, sérieux. On va boire un coup là. En plein désert. Mais non, tu vas voir, c'est dans un petit patelin là, pas loin là. On est à 5 minutes. Ouais. Et t'es sûr que c'est une bonne idée? Fais-moi confiance, mon Max. C'est un bar trop classe, tu vas voir. Mmh. Bah, si tu le dis. Hein. Salut la compagnie! Oh, salut Jeannot, content de te voir. Alors, mais dis donc, mais tu nous amènes un ami à toi, bonjour monsieur. Ah ben, madame. Bah oui, j'ai décidé de venir avec mon vieux pote Maxence. C'est la main, madame. Et puis, bah. Là, en fait, l'occasion s'est trouvée que je vienne avec lui en bagnole, quoi. En bagnole? Mais oui, en bagnole. Ça s'est trouvé comme ça. C'est ça, comme ça. C'est ça, comme ça. C'est pas tous les jours, quand même, que je vous amène mon vieux pote Maxence. Ça vaut le coup, non? Oh bah oui, ça valait le coup, hein. Et là, mon pote, il est bien content de vous rencontrer, les amis. Bien content de vous rencontrer, ses amis. Et qu'est-ce qu'il boit, le monsieur? Qu'est-ce qu'il boit, ce monsieur? Ben, je sais pas, comme vous, belle madame. Oh. Comme vous, belle madame. Eh ben, comme toi, Maxence, c'est ça? Mmh. Un Sauvignon. Oui, bon, oui, un Sauvignon. Ouais. Ben, Sauvignon. Trois Sauvignons. Trois Sauvignons. C'est parti. Eh hey, les gars, vous savez pourquoi les Mexicains aiment bien manger aux toilettes? Parce qu'ils aiment manger et visser. Non, non, moi tu sais, j'ai vécu pas mal d'endroits. À Paris, bien sûr, à Rome, à Singapour, à San Francisco, à Bruxelles. Bruxelles, la capitale de la bière. Oui, enfin, entre autres. Et alors surtout, tu vois, ce qui m'a plu énormément, c'est qu'on est vraiment dans le spectacle, tu vois. Et puis la musique, quoi, la musique. Toute la nuit, dans tous les bars, des cadors, et jusqu'au matin, quoi. Enfin, tu vois, à Bruxelles? Non, à San Francisco, Marie-Blanche. Marie-Blanche, moi, c'est Marie-Blanche. Excuse-moi, Marie-Blanche. Et puis, surtout, tu vois, ce qui était fou, c'est qu'on dansait. On dansait toute la nuit, dans tous les bars, des cadors du jazz, de la soul, du reggae... Mais c'est ça, la gueule, qu'il faut qu'on fasse. Faut danser ouais, toute la nuit. Eh, ah mais ouais. Je connais un endroit super beau avec de la super musique. On y va, hein. Attendez. On y va. Ouh. Oh ouais, c'est super, ça, c'est une super allez. Idée. Allez, on y va. Allez. Ouh. Allez. Qui va me suivre?
Dis donc, Jeannot, sympa la caisse, hein? Ouais, grave. Et j'assure toujours niveau caisse parce que j'en connais un rayon. Enfin, il se fout un peu de ta gueule, là. Hein. Ouais, il est jaloux. Jaloux. Oui, moi jaloux, oui. Non, je voudrais pas être désagréable ni plomber l'ambiance en la présence de cette charmante femme. Mais la voiture, là, eh ben, il a piqué. Ouais, c'est vrai, mais enfin, je suis plutôt bon à ce genre de truc. Ah, cool, les mecs. Attends, mais c'est pas les flics, là? Mais non, c'est juste un mec au bord de la route. Ça, c'est marrant, ça. Tout à l'heure, au bar, ils m'ont dit qu'il y avait plus de bus à cette heure-là, quand même. Hein. Eh ben, hé, hey, au pire, on a qu'à l'emmener. Eh, bonne idée, ça. Et en plus, il y a de la place derrière. Oh, non. Allez. Alors, jeune homme, vous attendez quoi? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? T'es perdu? Ben, j'attends le bus pour rentrer chez moi. Oh, et vous attendez depuis longtemps? Ah, bah oui, pas mal, oui. Oui, oui, oui. Eh ben, dis donc, t'en as du courage. Moi, je perdrai patience. Hein. Vous voulez qu'on vous dépose quelque part? Bah, c'est gentil de votre part, mais normalement, mon bus devrait pas tarder à arriver. Hein. Mmh. Salut, l'inconnu. Salut. Dis donc, je voudrais pas dire, mais les bus là dans le coin, le soir, ils sont tous en grève. Ah, d'accord. Mais vraiment? Ah oui, oui, non, mais ils sont en grève tous les soirs. Mais vous êtes sûr de vous, là, monsieur, ou Ah oui, oui, si je te le dis, c'est qu'ils sont tous en grève, hein. Il y en aura pas, là, ce soir. Oh, c'est pas possible. Mais comment je vais faire pour rentrer, moi? Hé, hey, tu sais quoi, on n'a pas que ça à faire. Monte donc à l'arrière, on va te ramener. Allez, monte, t'inquiète. Oui. D'accord, merci, hein, vous me sauvez la vie, hein, mais, oui, mais vraiment. Oui. Hein. Allez. Merci. Ben oui. Pas présenté, je m'appelle Conrad. Ah, enchanté Conrad. Moi c'est Marie Planche et je te présente Jeannot et Maxence. Ravi de faire votre connaissance. Et non, on se connaît, non? C'est déjà vu? Djibril? Ah non, non, non. Pourtant, ta tête t'a dit quelque chose. Oh Maxence, vous devez confondre à mon avis. C'est vrai que j'ai le portrait craché de beaucoup de gens. Tout le monde me dit ça. Pardon, ouais. Bon, elle est encore loin cette baraque là? Plus très loin, t'inquiète, on est bientôt arrivé. Mais vous allez où là? On va faire la teuf dans une baraque super que je peux avoir quand je veux. Eh, franchement, ça te dit pas de venir avec nous histoire de bien te marrer? Bah, écoute, avec plaisir, hein. Ce soir, j'avais rien à faire chez moi. Bon, bah, c'est parfait ça! Eh, une soirée à quatre! Wouh! Tu parles d'une soirée à quatre là. Non! Bon, allez, c'est bon là! On ferme là! Ah, je suis désolé, on ferme là! Non, monsieur. Non, 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 mais boss, j'ai pas terminé ma partie là! Ah, tu la finiras demain, s'il te plaît! Allez, allez, allez! Bon, s'il vous plaît! Merci beaucoup! Messieurs, dames! Allez, les gars, on est bientôt arrivés! Tiens, tu vas prendre la barre à gauche et c'est la petite allée qui remonte! Ok, ma cocotte, entendu. Et voilà, on est arrivé. Wow. C'est classe, hein? Ouais. C'est superbe cette maison. Ça bien, ça. On a mis un temps pour arriver à cette maison quand même. Ouais mon vieux Max, mais tu sais, parfois la vie c'est long, mais c'est ce qu'on dit, hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Ouais. Plus c'est long, plus c'est bon.
pas mal. Je vais plus acheter tes tennis. Elle est pas stylée cette soirée. Là je dois dire que je me prends pas mal mon pied là. Ouais, ouais. On en a passé tous les deux des bonnes soirées quand même. Non, je vous l'avais dit ou je ne l'avais pas dit que ce serait très très beau aussi. Je dois dire qu'il n'y a pas qu'un pour la princesse. Hein. Est-ce que c'est pas aussi bien qu'à San Francisco? Oui, enfin c'est pas tout à fait pareil quand même, Marie-Ange, mais... Marie-Blanche! Combien de fois faut que je te le dise, bordel? Excuse-moi, Duchesse. Toi, mon Conrad, est-ce que tout baigne? Ouais, c'est génial, et finalement t'as bien géré, hein. Je regrette pas d'être venu. Eh bah, si tu regrettes pas, c'est le principal. Ouais. Hé, la troupe! Oh, j'ai mis l'île d'enfer! Si on buvait un verre du sec, ça nous branche! Allez, ouais! Ouais. Serre-moi-en, allez! Tiens, vas-y. Ah, mon Conrad! C'est ça la vraie vie! Ouais! Et on pourrait se filmer et mettre ça sur les réseaux! On cartonnerait! Parce qu'on ferait le buzz! Allez, santé! Et les gars, vous avez. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je t'ai déjà dit. Mon Dieu, c'est dangereux, merde! Ça va, c'était pour rigoler, hein. J'en ai rien à faire, tu n'y touches pas. Et puis ça, là... C'est quoi, ça? On en a vu plein, on a vu Michel Thor, on a vu Serge Lama, on a vu Paul Naref. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est le concert de Johnny au Stade de France. Ah, tu te souviens, Jacques? Ouais, si je me souviens, on a passé un week-end de malade sur Paris. Attends, je me rappelle. Ça m'étonne pas, parce que franchement, Johnny, c'était un bonhomme, hein? Et quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ça fait déjà un an qu'il est parti, tu trouves? Ouais. Ah mais de toute façon, moi je vous le dis, hein. Ouais. Attendez, le Johnny, il a été assassiné. Et la Laetitia? Elle est pas claire? Non, ne dis pas de mal de Laetitia, non. Non, t'as raison, mon jeune, j'ai toujours dit Laetitia. Moi, je l'aime bien, perso, la petite. Moi, j'aime bien sa gueule. Oh que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ah ouais, c'est mon pote Maxence. Tu sais quoi, dis-lui donc, depuis combien de temps on se connaît déjà? Ah bah oui, ça fait... Depuis Noël. Non mais non. Depuis Noël même qu'il y avait des sapins. Jacques, et à Noël, peux remettre la même chose. À Noël, il y a toujours des sapins. Enfin, tu sais, on se connaît plus longtemps quand même avec Max. Ouais, bah il a l'air frais ton Max. Ouais, ouais. Enfin, avec tout ça, quoi, il y a quand même ras-le-bol, là. Il y a les gilets jaunes qui continuent encore de nous emmerder. Ah, il y en a ras-le-bol de ce gouvernement, moi je te dis. Ouais. Non, les gilets jaunes aussi, ils ont des sapins. Hein. On est quel jour? On est mercredi. Oui, ouais. On est mercredi. Alors l'auto, tous les mercredis. Je joue au loto. Attends, parce que tu continues de jouer au loto. Vous savez, les gars, moi j'ai déjà gagné 100 euros. Loto. Et tous les mercredis, je joue au loto. Et tous les mercredis, Stylo, je joue les mêmes numéros. Mais tu joues toujours le même truc. Je joue toujours le même numéro. Attends. Je joue le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et en complémentaire, le 6. Non mais c'est pas possible, tu vas pas jouer ces numéros. Validation. Non mais. Ah, il déconne, là. Alors tous les mercredis je joue les mêmes gilets, je joue ce que je veux. Tu gagneras jamais. Et de toute façon, non. Je m'en fiche parce que je regarde jamais les résultats. Ah, en plus. Je les mets dans la poche de ma veste. Cela là. Et je joue pas les. On chie la poussière. Patron, 3 jaunes. Alors, le futur millionnaire, tu m'offres un verre? Oui, 3 jaunes. 4 jaunes. Ah oui, parce que notre jaune préféré,
C'est le Ricard. Exactement. Allez, allez, santé. 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 Alors, mon Jeannot. Vous écoutez RTL, il est 20h. Le flash d'info, Jean-Claude Fourny. Bonsoir Natacha, bonsoir à tous. Nous reviendrons dans un premier titre sur le terrain du loto. Il y a quelques minutes, ça me fait penser à Max avec ses numéros à la croix. C'est un sacré phénomène. Aux États-Unis, le dernier tweet du président fait une fois de plus un tourné chez les démocrates qui hurlent au racisme. En France, le nouvel acte de la contestation des Gilets jaunes inquiète le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur de la Nation. Et puis, bien sûr, la victoire de Marseille face au Barça, qui n'en finit pas de faire parler la cité phocéenne. Et donc, tout le monde se fait le tirage du loto d'aujourd'hui. Tout à fait inédit et souvent considéré à tort comme impossible, car tenez-vous bien, le hasard a voulu que les chiffres suivants sortent dans l'ordre. Les 1, 2, 3... 4, 5 et le complémentaire le 6. Non mais, c'est pas possible, merde. Non mais c'est pas possible. Et j'en reviens pas. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et en complémentaire, bah en plus, le 6. Mais c'est pas possible. Mais attends, mais ça veut dire... Mais ça veut dire qu'il a gagné, cet idiot. C'est pas possible, j'en reviens pas. Comment il a pu faire ça, quoi? Mais c'est incroyable. J'en reviens pas, quoi. Attends. Conrad ? C'est toi ? Ouais, Jeannot, tu m'entends, là ? Ouais, ouais, je t'entends. T'as écouté le tirage du loto ? Ah bah, si j'ai écouté... Je viens de l'entendre. Je suis sur le cul. Oh, l'enfoiré ! Mais il est devenu riche ! Il a gagné le pactole ! Il va falloir faire quelque chose, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, ce que j'en pense, c'est que... Bah, c'est comme toi. Va falloir faire quelque chose. Parce que c'est pas vrai, quoi. Il va quand même pas empocher tout ce fric tout seul. On y a le droit, nous aussi, quand même. Après tout, sans nous, il serait peut-être mort dans sa gerbe. Et puis, bordel, il peut quand même partager. Sans toi, il connaîtrait même pas le bar. Il a pas besoin de tout ce pognon, quand même. Quand je pense à ma fille à qui je peux même pas offrir des cours de poney, ou toi avec seulement ta pension et... Mais, ôte-moi d'un doute, là. Tu l'as toujours, ta 206 ? Ouais. Ça pourrait peut-être nous servir. Mais qu'est-ce que vous venez de faire ? Bon quoi, pour une fois que quelqu'un prend une décision ? Mais on est foutus là ! On est foutus ! Non mais on va tous finir en taule hein ! Les pernicheuses ! Vous m'emmerdez ! Ouais mais... Il est mort là ? Bah évidemment, tu vois bien qu'il bouge plus ! Il respire plus ! Je crois que c'est fini là ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, arrêtez de piailler ! On en parle à personne, on garde ça pour nous ! Non, mais vous vous rendez pas compte, hein. On va voir ça sur la conscience pour le restant de nos jours. Tu m'étonnes. Quel bande d'abrutis, ces deux-là. Bon, ça suffit. Maintenant, quelqu'un va vous fouiller ses poches pour trouver le billet. J'en ai marre de vos états d'âme. Ce sera l'un de vous deux. Ok, mais c'est qui le fait, alors? Bah, c'est pas moi, hein. Conrad, hein, c'est toi qui as la fin du gain. Mais tu rigoles, là? Ça va. Là, tu peux bien le faire, ça va pas te tuer. Bon, Conrad, tu t'en charges. Mais pourquoi moi ? Pourquoi ? Parce que c'est moi qui tiens le flingue. Voilà pourquoi. Allez. Ok, ok. Je vais le faire. Et plus vite ! Laissez-le respirer un petit peu à la fin, quand même. Mais on n'a pas toute la nuit devant nous, hein. Allez, Conrad. Assure pour une fois dans ta vie. C'est bon, déjà que c'est moi qui le fais, n'en rajoutez pas une couche. Allez, vite, là ! Ah ! C'est bon ! Oh, dis-moi qu'on le fiche, mon Conrad ! Oh ! Oh, la bavure ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, le con ! Quoi ? Mais il a pas joué le 1, 2, 3, 4, 5 et le 6 ! Il a joué le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et en complémentaire, le 12 !